Voilà, donc derrière ce magnifique bus, on a le Pont Neuf, on est à Paris. Et c'est pour Quiet Glover que je me suis déplacé quand même de chez moi un dimanche. C'est assez dur à faire bouger en général. Et je suis venu ici pour me rendre compte un peu s'il n'y avait pas des indices concernant le parachutage de meubles. Et bah, je pense qu'en fait on a plus que des indices, bon, parce que là on est sur le nouveau magasin Conforama Pont Neuf. Donc même si ces meubles là n'étaient pas dans la vidéo, on peut voir qu'ils sont attachés comme s'ils étaient parachutés. Et bon, bah, là on a aussi les visus des parachutes. On va continuer une petite tour du propriétaire en passant sur l'autre côté. Alors excusez-moi, c'est un peu bruyant, j'y peux rien, j'ai pas pu faire bloquer la circulation. Alors vous allez voir, c'est encore plus flagrant de ce côté, puisqu'on va retrouver les meubles qui ont été parachutés, notamment ce magnifique canapé, le canapé blog, que je vais m'empresser d'acheter. J'espère qu'avec toute la prom que je fais à Conforama, ils vont me le lâcher, parce que à 400 euros, c'est pas mon salaire de stagiaire qui va me le payer. Donc voilà. Et pour terminer, on va passer voir le joli joli petit meuble rouge dont je ne me rappelle plus le nom, qui se trouve ici. Donc le suspense intenable qui faisait que je ne dormais plus depuis déjà 4-5 jours est levé. J'espère que Confo fera quelque chose, prendra la parole, parce que je ne comprends pas l'intérêt de faire une vidéo et de compter sur les tarés comme moi pour découvrir ce qu'il en est.